Bonjour les amis, salut à tous. Bienvenue, nouvelle session aujourd'hui autour du tome numéro 2 de Négaliode. Petite goutte de café pour commencer. C'est parti, on va attaquer la planche. Alors, comme toujours, hein, pour les 2-3 personnes qui viennent introduire cette vidéo, qui viennent doucement s'immiscer dans le live, on va être là pour une petite heure. Moi, je suis en plein rush. Je parle aussi pour les gens qui regardent ça sur YouTube. Je suis en super rush. On va faire une petite case très sympathique parce que après j'ai des milliards de trucs à faire. Je dois aller sur l'ordinateur, faire des fichiers, nettoyer des fichiers sur un logiciel de montage voilà, de d'image. Ça va être le gros bazar. Donc, les amis, bienvenue. Comme toujours, pas la peine de vous abonner, pas la peine de rien du tout. On va pas nourrir la bête plus que ce qu'elle n'est déjà. Je le fais déjà grandement avec ces vidéos. Donc voilà. Juste peinard. C'est parti. On va faire juste cette petite case en fait. On voit rien du tout d'ailleurs. On va juste faire cette petite case là. Hop. Je vais me mettre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Vais me reculer un tout petit peu. Hop. Je fais des petites manipulations, hein, vous voyez. Comment ça marche? Alors. Voilà. C'est pas mal là, non? Je vais essayer de rester comme ça un maximum. Alors là, les plumes. Je sais pas comment vous dire. Je suis passé par 1000 étapes. Ceux qui m'ont dit qu'il fallait que je crame les bouts. Eh bien, je ne sais pas comment vous dire, mais je l'ai fait. Je ne sais pas si c'était super pertinent, mais bon, voilà quoi. Allez, c'est parti. Oups, j'ai mis énormément d'encre. J'avais oublié que j'ai re-rempli l'encre. J'ai re-rempli mon pot d'encre. Le petit homme de Négaliode, je vais le mettre derrière. Ici, je vais prendre une petite planche que j'avais faite, qui m'avait servi de modèle pour la session précédente. Je pense que je ne vais pas me gêner, je vais reprendre la même chose. Café toujours. Alors, faut bien que je m'installe. Wow. Mais j'ai bien envie. Je refais une petite installation. Hein. Je suis désolé. Je refais une petite installation parce que je sens que ça va être mieux pour moi. Voilà, je dispose ma caméra ici. Et ça, je rabaisse ça ici. Je pense que je vais me sentir bien, bien mieux. On avait fait cette case la fois précédente. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, une petite. Petit travelling sympa, hein, on pourrait faire des petits films comme ça de travelling de case. Hop, je me remets sur la case que je dois faire. Salut aux 3 personnes qui sont là. C'est parti, faut que je carbure, hein, les amis. Faut que j'envoie le pâté. Comme on dirait. Faut que je carbure. Qu'est-ce que lui avait ici? Ok.
Je carbure, hein. On peut parler si vous voulez, si vous, voilà, si vous êtes là ou pas, on peut discuter ou pas, comme vous voulez. Moi, je dessine à fond. Salut Alonia, salut Olivier, j'espère que vous allez bien. Alonia, je t'ai pas encore envoyé certains fichiers. Désolé. Là, je suis en mode super rush pour que avant les vacances, il faut que j'envoie. Comment dire? Ouais, comme je disais dans les sessions précédentes, je suis en train de faire énormément d'ordinateurs pour tout. Renommer les fichiers et envoyer les nouvelles planches que je suis en train de. Que j'ai réalisées à mon éditeur. Et donc ça me prend un temps, de fou quoi. J'y suis tous les soirs jusqu'à 1h30 à chaque fois. Ça rend fou en fait. En fait, traiter avec des fichiers, faire de l'ordinateur, moi ça m'en fout. C'est pour ça que je suis vraiment pas prédisposé à ça en général. Je mets tous les moyens, c'est-à-dire que techniquement, je suis assez à l'aise, je vois comment faut faire, etc. Hein, mais donc désolé, Lalounia, j'ai des fichiers, mais dans tous les sens, les renommées et tout, etc. J'ai eu du mal à avoir l'accès à mon, comment on appelle ça, à mon serveur. J'ai une espèce de disque dur externe, de gros disque dur externe. Mais c'est l'enfer. J'ai essayé de retrouver les fichiers et tout, mais. Tududu. Oh, c'est cool en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alunia, j'espère que tu bosses bien aussi. T'arrives à faire ce que tu veux. On est à la cool. Voilà.
Merci, merci Lelounia, mais je vais le faire rapidement. Je vais le faire rapidement. Tu vas apprendre à me connaître. En fait, je repousse les choses le plus longtemps possible. Mais enfin, là, c'est vraiment spécial. Non, non, pas tant que ça. Je repousse pas autant que ça. Mais là, vraiment, le fait de fait d'être devant un ordinateur, tu sais, j'en ai vraiment le corps qui flanche, enfin, qui flanche, entre guillemets. C'est-à-dire, tu sais, l'épuisement d'être devant un ordinateur et de ne pas être habitué à ça, parce que je ne suis pas du tout habitué d'être devant un ordinateur. Ça me tend. Il y a tout mon corps qui est trop absorbé par le. Je parle pour le boulot, puisque après, pour regarder un film ou quelque chose comme ça va. Je suis pas non plus. Mais, vous voyez. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Je suis vraiment à fond, quoi. Parce qu'en plus, j'ai une volonté de faire. C'est-à-dire, j'ai envie que ça aille vite, ça se finisse vite. Et en fait, la masse de boules est tellement grande qu'au contraire, il faut prendre ça à la cool, quoi. Avancer petit à petit. Mais moi, je veux que tout se finisse parce que comme j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de le faire. Je me dis, bon, allez, je le fais, vite fait. Et donc, je suis à fond, je fais à fond. Et ça me tend. Ça me tend. À chaque fois, merci Olivier, hein, à chaque fois que j'arrive ici et que je me dis que c'est vraiment cool que tu fasses ça en live, merci, c'est super cool. Je suis hyper content, je trouve ça tout aussi cool que vous soyez là. Tranquille quoi. Je sais pas combien de temps je le ferai. Je sais pas combien de temps je resterai comme ça à faire ça. J'ai dit. Ouais, j'ai dit. J'espère jusqu'à la fin de l'album. J'espère. Hein, si. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Moi, je commence à, comme vous l'avez compris, je commence à bien m'habituer à parler en même temps que je dessine. Parce que, tout simplement du fait que j'ai bien avancé dans le scénar. C'est pas pressé, t'inquiète pas, ne te rue pas le dos. Merci. Cool, hein, la Lunia, ça bosse, écoute, super. Je suis content. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais bon, ça sent le Photoshop à un moment donné. Merci Olivier, hein. C'est une chance de devoir bosser en direct. Merci, c'est cool. Normalement, personne ne devrait faire ça. Enfin, pas. Normalement, les auteurs de bande dessinée ne devraient pas faire ce que je fais. Je ne devrais pas faire ce que je fais. Je devrais pas faire ce que je fais. Bon, au-delà de mes convictions personnelles sur le mail, voilà, sur le fait de faire des lives, ok. Et même, je sais pas. Je sais pas de quelle manière ça va influer, parce que ça peut influer sur les prochaines planches que j'aurai à faire avec vous, en fait. Pour l'instant, c'était des planches déjà préparées, avec l'histoire bien prédéfinie. Est-ce qu'il n'y aurait pas des dérivations, des déviations qui vont s'opérer du fait que je sois en live?
On reste sur cette même case, hein, vous avez vu. Genre pas. Voilà. Ah mince. Mince, parce qu'il y a une toute petite zone que j'aurais dû laisser. Il y a une toute petite zone que j'aurais dû laisser en blanc là. Et ça, c'est mince parce que la zone est tellement petite que au moment de scanner la planche, je vais devoir me souvenir qu'à cet endroit-là, il va falloir que j'enlève ce tout petit bout de. Comment on dit? Ce tout petit bout de. Bah de traits en trop en fait. Et que, en fait, généralement, quand je scanne ou quand. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis assez pressé, entre guillemets, de finir. Même si j'y passe énormément de temps. C'est-à-dire, j'ai beau être pressé, mais j'y passe quand même énormément de temps. Je pense, justement, j'y passe plus de temps. Du fait que je suis beaucoup trop exigeant. Je veux que tout soit nickel. Les fichiers, c'est-à-dire que je dois penser au fait que les fichiers ils ne sont pas uniquement que pour moi, ils sont aussi et principalement pour Florence Breton, la coloriste. Et que donc je veux que tout soit propre en fait pour elle, c'est-à-dire que elle, je veux même pas qu'elle ait la sensation qu'un fichier. Ne soit pas au point. Après, c'est le gros bordel dans la numérotation des pages, parce que comme j'improvise, j'incruste des planches partout dans tous les sens. Et là, je suis pas à la page. Je suis pas là. En gros, pour faire simple, la page 20 se retrouve à la page 42. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de décalage. C'est pas le décalage d'une planche ou deux. J'incruste 10 planches, j'en enlève deux, je change, je donne une nouvelle version de. Je donne une nouvelle version. Enfin, c'est le bazar. Comme tout est improvisé, rien n'est linéaire. Pardon. Hop. Chaque trait compte, hein. On le sait, ça. Chaque trait compte. Chaque trait est une milliseconde dans. Pour ceux qui dessinent, chaque trait est une milliseconde dans nos vies. C'est-à-dire que c'est pas un trait. C'est pas que un trait. C'est du temps. Chaque trait, c'est du temps. C'est comme. Un trait après l'autre, on construit quelque chose. Et c'est. On construit sa propre.
je sais pas, son propre dessin. On construit aussi indirectement une vie, en fait, à travers le dessin. Notamment avec le dessin de bande dessinée, qui est extrêmement énergivore. Et qui peut prendre le pas sur plein d'autres choses. Donc, faut vraiment faire attention. C'est moi qui dis ça alors que je passe vraiment beaucoup trop de temps à dessiner. Ou réfléchir au dessin. C'est-à-dire qu'il y a... y a vraiment un entre-deux à trouver par rapport à ça. Des fois, je l'ai bien, des fois, c'est trop difficile. Parce qu'on est pris dedans, on est pris dans le dessin. Comme toute activité, hein, dès qu'on se plonge dedans. Avoir le recul nécessaire pour ne pas trop en faire. Bon, je vous ai pas pris une case super géniale, hein. C'est juste. Bon, il faut que j'avance. En fait, comme je vous dis, je dois avancer. Pour redialoguer l'ensemble de mon album. Donc en fait, je vais juste finir, on va juste être ensemble pour cette petite case. On va faire peut-être la suivante. Parce que voilà, je sais pas, depuis... ouais, 22 minutes. Je ferai peut-être la suivante qui est aussi assez facile, où on dessine la lune. Voilà. Olivier, tu penses que le fait de dessiner la lune a pu influencer ton dessin ou le scénario? Pas pour, peut-être pas pour ce projet, mais pour ou peut-être pour la fin, parce que franchement, Olivier Lalounia aussi, je vous dis un truc. Bon, voilà, comme je vous dis, je fais ça avec vous là, mais il reste une grande partie de la bande dessinée à la fin que j'ai pas faite. Et il doit rester, allez, une trentaine de planches qu'on peut faire ensemble. C'est-à-dire que je dois avoir 20 planches de préparer, donc elles sont faites. Elles sont dans ma tête. Par contre, j'ai 20 planches de la toute fin. Je sais, je les vois en tête, mais voilà, on pourra discuter. J'avais promis à mon éditeur, Gaëtan, si tu me vois d'ailleurs, que personne ne m'influencerait sur le live. Eh bien, on verra. En fait, on verra si oui ou non. Moi, pour être très très sincère, je ne pense pas. Je ne pense pas, mais si j'ouvre à un moment donné l'opportunité voilà, de l'influence entre guillemets, bah, je sais pas, on le fera. Mais il faut que je le. Voilà, faut que ça vienne. Ça peut être pour un petit détail, comme ça pourrait être pour l'ensemble d'une page. Et au final, c'est moi qui décide de bien sûr, c'est moi qui décidera de qu'est-ce qu'on laissera ou non. Mais ouais, carrément. Il peut y avoir des. Et franchement, si je lance le truc, ça peut être cool, hein. Parce que, voilà, être dans, se mettre, avoir une espèce d'esprit commun, cerveau commun, autant dans le scénario, le dessin, la technique, la mise en page, le dialogue, parce qu'il y a plein de paramètres, comme t'imagines bien, qui sont assez chouettes. Si j'ai le temps, en fait, c'est aussi ça, parce que je pense que j'aurai pas le temps.
C'est là où ça va être un énorme problème. Et c'est là où ça peut être aussi rigolo, hein. C'est-à-dire que je pense que peut-être que je demanderai de l'aide parce que j'ai pas assez de temps. Je dis, non, mais là, il faut que j'arrive à résoudre ce problème scénaristique. Mais il n'y aura pas de problème scénaristique, c'est juste. Je pense que ça va être une fin avec beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie de dessin. Genre m'aider, ça sera peut-être à m'aider pour le. M'aider à trouver une, je sais pas, telle image ou telle image pour m'influencer, enfin pour m'inspirer. C'est ce genre de choses qui peut être envisagé. Et sinon, influencer d'une autre manière, ça je sais pas. Parce qu'après, il y a plein de types d'influence, quoi. Et peut-être en mal, hein. C'est-à-dire que. Ah, j'ai dit en début de vidéo, mais je sais pas si vous étiez là, mais. Là, ce qui est cool, c'est qu'on est très peu et je veux qu'on reste peu, entre guillemets. Je veux qu'on reste en intimité. Donc, franchement, les amis, franchement, enfin, restez, on restera comme ça. Vous pouvez venir, hein, comme vous voulez. Et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, en tout cas, j'ai pas envie de grandir ou grossir. Vraiment pas. Donc en fait, on sera vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'on sera vraiment ensemble. C'est ce que je cherche. Jusqu'à la fin. Je mettrai les limites, hein. Je mettrai, genre, ne vous abonnez pas. Voilà. Cette case, c'est fait. Vous voyez, hein, ça va vite, hein. C'est les petites cases. C'est un peu nul, hein, de se dire, mince, je suis en train de faire une petite case. Parce que, en fait, j'ai tellement l'habitude de, je sais pas, de vouloir tout donner. D'ailleurs, je donne tout, hein, dans cette case. Il y a beaucoup trop, en fait. Cette case, elle est. Je pourrais être bien plus synthétique que ça. Mais ça sera dans un prochain album. Un prochain album, mais je vais me régaler. Mais je sens que je vais me régaler. Là, je me régale, hein, mais dans le prochain album, je vais me régaler. Je vois déjà plus ou moins le style que je peux avoir et qui me fera vraiment du bien. Ça, c'est fait. Maintenant, on va la faire la case suivante. Non, pas du tout. J'imagine la mauvaise nouvelle pour ce grand monsieur. Si tu dis ça comme ça, c'est que doit y avoir une raison. Donc je vais aller voir ça de ce pas. C'est bien ce que je pouvais penser. Il nous a fait rêver, hein. Le monsieur, ce monsieur, ce grand monsieur Corben, il nous a fait tous rêver. Qu'est-ce qu'il était fort? Qu'est-ce qu'il était fort? Je sais pas si vous aviez vu son exposition justement à Angoulême. Waouh. Lui, il croyait. Lui, il croyait vraiment.
Il était vraiment habité, quoi. Il était habité. C'est vraiment le genre de dessin qui ne ment pas, en fait. Qui ne ment pas. Et qui fait dire que... On parlait dans une session précédente du dessin sacré. Lui, il avait un dessin maladroit. Enfin, je vais parler au présent parce qu'en fait, même si lui est décédé, il y a des dessinateurs, il y a des dessinateurs, des dessinatrices comme ça qui en fait, quand on voit leur dessin, on a l'impression qu'ils dessinent devant nous. Je l'avais dit de Moebius, lui, c'est la même chose, c'est-à-dire que on le sent dans son atelier, on sent, je sais pas, l'intimité de son atelier, on sent qu'il est en train de chercher autre chose par le dessin. C'est-à-dire que il cherche autre chose. C'est étrange en fait. Il cherche l'indicible. Il cherche l'étrange. Il cherche le non-dit. Il cherche la peur. Il cherche une émotion en fait. Et toute sa vie. Par son dessin, il a construit ça. Il a réussi, en fait. Il a réussi, c'est-à-dire qu'il arrivait à susciter certaines émotions chez ceux qui le lisaient. Et une émotion, certes, pas une émotion physiologique réelle, mais une émotion. Une émotion, je sais pas comment dire, esthétique, une émotion esthétique. C'est-à-dire vraiment le fait que on plonge dans son dessin, on plonge dans son réalisme, on plonge dans ses personnages, et on arrive à avoir peur, mais une peur esthétique. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment le maître de ça. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Il y a un truc chouette, c'est que lui, il y arrivait. Pardon pour le micro. Lui, il y arrivait par la case même, en fait. C'est-à-dire qu'une case. Comment dire? Susciter la peur. Susciter la peur, c'est possible, peut-être par exemple, par le récit. C'est-à-dire, par le récit, on peut susciter la peur. Mais lui, il arrivait par une case. C'est-à-dire, c'est vraiment étrange. Il arrivait à susciter une forme de peur de par sa, je sais pas, de. Ou une incompréhension, ou une instabilité en fait, même si son dessin était extrêmement stable en fait, il était extrêmement composé, mais dans la rigueur je sais pas, de la matière qui les matières des volumes qu'il employait, ouais, le fait d'y croire vraiment, rien que. Il était un des maîtres, voilà, il l'est toujours. Moi, je vais parler au présent. Il est toujours. Son dessin est là. Son dessin est encore là. Donc, pour moi, il est pas, il a pas disparu, en fait. Tous ses albums sont là. Il me parlera comme d'autres me parlent aussi. Et comme d'autres, j'imagine, vous parlent aussi quand on regarde leur bande dessinée. Et voilà, il avait une science de la composition qui fait qu'on était vraiment. On était captivé en fait. Captivé par tous ces détails, on était captivé par tous ces.
Moi qui suis absolument novice en dessin, qu'elle claque ses planches à Angoulême, absolument. Mais novice ou pas novice, hein, franchement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est. Enfin, n'importe qui, dessinateur. N'importe quel dessinateur, dessinatrice devant son. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il avait une sorte de fascination étrange pour certains sujets. Mais ce qui... Ce qui n'empêchait pas l'absolu investissement, en fait, de ce qu'il voulait faire passer. Il avait vraiment conscience, en fait, aussi de... Il avait vraiment conscience aussi de la force populaire de la bande dessinée, c'est-à-dire amener le lecteur ou la lectrice en l'accompagnant, en fait. En l'accompagnant par le dessin, en le séduisant ou la séduisant. En la séduisant. Peu importe, en séduisant les personnes en fait, par son dessin, très charnel, très un peu rond, et nous faire entrer dans les coulisses de l'étrange et c'est par une voix claire, et toujours claire, toujours limpide en fait. C'est vraiment une noble voix, je trouve. Et qui rend vraiment hommage à ce qui est la bande dessinée populaire, c'est-à-dire qui s'adresse au plus grand nombre, qui s'adresse à tout le monde. Et c'est là où lui, il était très, pour le coup, très généreux, parce que voilà, c'est donner tout son âme, tout son corps, à travers son dessin, à transmettre ce genre d'émotion. C'est-à-dire que jamais il a été trop étrange, au point de ne pas être de ne pas pouvoir être lu. En fait, tout le monde pouvait le lire. Tout le monde qui sait lire pouvait le lire. Tout le monde pouvait rentrer dans ces histoires. Et c'est ça qui est fascinant, en fait. Après, bon, voilà, il y avait des images interdites à un certain âge, ça c'est sûr. Mais pas toutes, hein. C'est vrai qu'au-delà de... Salut Bruno, j'espère que ça va bien. Bienvenue à toi. C'est vrai qu'Olivier, j'espère que c'est vrai qu'au-delà de son dessin, on rentre dans son univers par les histoires qu'il met en scène absolument. J'ai souvent lu à propos de son dessin qu'il était difficile de cerner sa technique. Ouais, je pense que ça... c'est une bonne piste. Les coulisses de l'étrange, tout à fait ça. Ouais, son style, il est à la fois très... Il est très clair, c'est-à-dire qu'on cerne très bien le sujet, les choses qu'il dessine. Mais comment il y arrive? Une espèce de mixture secrète, de technique secrète, et qu'il appliquait à quasiment toutes ses bandes dessinées. C'est-à-dire que même là, il est à la frontière de l'étrange, juste de ce fait-là, en fait. C'est-à-dire, on sait pas comment il faisait. On sait pas comment il faisait. Serait-il lui-même un étranger? Mais un étranger au sens alien du terme. C'est-à-dire, c'est un étranger. Il voulait être étrange. Et en même temps, nous chuchoter à l'oreille, regardez, il y a peut-être un autre monde, en fait. Il y a peut-être un autre monde. Et il est tout proche, il est tout près, il est juste à côté de vous. Il suffit de le voir. Espèce de miroir.
de miroir secret, d'un miroir fait de nos, parfois de nos vices, de nos peurs, de nos. C'est vraiment une œuvre qu'on. Et c'est marrant parce que c'est aussi une œuvre qu'on lit seul, en fait. On a envie instantanément de plonger dans son univers. Pour celles et ceux qui aiment bien son univers, on a envie d'être dedans. En fait, il crée une empathie instantanée, en fait. Avec son univers, empathie, je sais pas si c'est le mot parce que c'est pour les personnes, mais une adhésion en fait. Une adhésion instantanée. Et dès qu'on ouvre une bande dessinée de Corben, on a envie de s'isoler en fait, pour se retrouver avec soi-même et pour voir quel type de peur, quel type de vice il va nous exposer. Quel type d'aventure il va nous exposer. Et malgré sa rondeur, il nous surprend toujours en fait. La rondeur de son style, il arrive toujours à trouver une. Un déploiement et une résolution à nos peurs, en fait. Tout est toujours entier. Son dessin est entier, ses histoires sont entières, son univers est entier. Il laissait rarement planer le doute. C'est-à-dire que c'était un doute c'était un doute confortable en fait. C'était un doute qu'on peut résoudre nous-mêmes. Toutes les réponses étaient là et lui nous les donne en fait. Nous les donne. Mais il nous les donne encore hein, avec ses bandes dessinées. Donc voilà, je sais qu'il a influencé pas mal d'amis. Merci, c'est gentil, Olivier. Je pourrais continuer à l'infini, en fait. Quand il y a des. Je sais pas, des. Mais je peux. Sur lui, particulièrement, malgré que je connais pas toute son œuvre, j'ai lu pas mal de choses de lui, mais. Je suis pas à fond, mais en fait. Il n'y a pas besoin d'être à fond en fait. C'est ça qui est hyper beau avec lui, c'est que en une image, il arrive à nous faire comprendre qui il est, qui il était. Parce qu'il était tellement tout le temps dedans que. Une case suffit à comprendre l'investissement qu'il mettait dans ses histoires. Et c'est ça qui est fou.
Il arrivait en une case, je suis sûr que vous prenez n'importe quelle case de n'importe quelle de ses œuvres. Déjà, on reconnaît que c'est lui, mais ça, c'est une évidence même, ça ne se dit même pas. Mais c'est qu'il y a un mystère, en fait, il y a un truc étrange. Il y a un truc étrange. N'importe quelle de ces cases. Toutes ces cases sont. Faites le test, hein. Faites le test. Je sais pas, allez voir sur internet ou je sais pas, ou prenez une page, il y a un truc étrange dans chacune de ces cases. Un petit effet. Et ça. Ça, il y a peu d'auteurs, peu d'autrices. C'est pour ça que je pourrais dérouler à l'infini. Parce que comme chacune de ces cases parle, est une case univers, c'est une case qui est introduite à l'univers ou un univers en tant que tel. Mais en fait, si vous voulez, là, on prend un album de Corben, je le mets ici, j'analyse une case, et en une case, mais je déploie 1000 réflexions. 1000 réflexions. Et des auteurs, des autrices qui de ce. Auteurs ou autrices qui ont cette force-là, il n'y en a pas tant que ça. Un petit peu d'eau, hop, dans l'encre de Chine. Parce que je vous avouerai que c'est un peu épais tout ça. Ah, c'est un tout petit peu plus facile. Ça fluidifie un petit peu. Voilà. C'est pas fascinant hein, ce que je fais. Mais bon. Tout est. Voilà, tout est. On ne peut pas l'être tout le temps, fascinant, comme notre cher Corben, justement. Merci Olivier pour ton commentaire sur le fait que ce soit un bel hommage, c'est gentil. J'ai un espèce de faux pinceau, c'est-à-dire que le pinceau il est tellement. En fait, le pinceau il est comment dire. Voilà. Déjà, il est tout pourri. J'ai jamais eu des super pinceaux. Je sais pas pourquoi. Dès que j'achète un pinceau neuf, je le détruis en 4 jours, il est complètement détruit. Donc je peux mettre autant 5 euros que 20 euros dans un pinceau, son sort est le même au bout de 3 jours. Donc j'ai compris la leçon. Maintenant, je prends que des pinceaux tout pourris. Même si ça me fait faire un peu de bêtises, c'est pas grave.
Voilà, ok, ensuite. Je finalise. Ah, c'est ça le... Ok. J'ai l'impression d'aller au... Je vous dis une micro-sensation assez sympa, en fait. Moi, enfin, le fait de remplir de... Voilà, remplir de noir, c'est parti, là, ce pourtour-là, en fait. J'ai l'impression de... J'ai l'impression de faire le tour de l'univers et de mourir. Alors, je vous explique. Là, je fais des petits traits. OK? Mais là, ça me l'a fait, hein, parce que c'était en descendant. Peut-être qu'en montant, c'est autre chose. Il y a forcément une... comment on dit? Une interprétation des gestes. Comme il peut y avoir une interprétation des gestes quand on parle, bah, il y a une interprétation des gestes quand on dessine. Et quand on dessine, il y a des gestes qui... selon notre style, se rapporte à des choses qu'on a pu vivre antérieurement ou des sensations nouvelles, juste par le fait de... Juste par le fait de... Je sais pas, de faire bouger sa main, de faire bouger son corps, de porter une attention sur un type de geste. Je donne un exemple tout bête, mais genre quand on dessine du vent... On se met dans l'esprit un peu du vent et on dessine le vent. Voilà. Si on dessine de la chair, on dessine de la chair. Si on dessine de la chevelure, on est cheveux, etc. Mais dans l'acte même de poser, alors pour moi, pour le coup, la plume, il y a toute une histoire qui se fait entre le début du trait et la fin du trait et l'accumulation de tous ces traits. C'est-à-dire là, je suis en train de remplir. Pour moi, je suis en train de remplir l'univers, en fait. Je suis en train de faire le tour de l'univers. Je sais pas, parce que là, je suis à la frontière de quelque chose. Donc, je fais le tour de l'univers. Vous voyez? Et quand je vais arriver au bout, c'est la sensation que j'ai eue quand je suis descendu. Quand je suis arrivé au bout, l'univers meurt. Mais c'est ce qui m'est passé par la tête, hein. Je me suis dit, je suis en train de faire naître un univers et le faire mourir. Eh bien, on va faire la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est un autre geste, parce que c'est... ici, je ferme le trait, ici, je l'ouvre de l'autre côté. Donc, c'est plus laborieux, je pense, à part si je retourne la feuille. Hein? Autant se... Ah oui, mais si je tourne la feuille, mon geste n'est plus le même non plus. C'est vraiment étrange. Donc, bah, je vais être obligé de rester comme ça. Tiens d'ailleurs Vincent, je ne te remercie pas, j'ai regardé les conférences d'écologie, j'ai regardé les conférences des choses que tu nous avais recommandées, je flippe de fou pour l'avenir maintenant. Bienvenue au club. Si tu veux, je te donne d'autres noms pour des gens qui... T'as vu Gaël Giraud? Qu'est-ce que t'as vu? Dis-moi ce que t'as vu. Gaël Giraud... J'imagine t'as vu Gaël Giraud, Philippe Biwix. Tu sais, je sais pas quoi te dire, parce que je sais pas si je dois te dire désolé, ou si je dois te dire super, bienvenue dans notre monde, bienvenue dans le...
Gaël Giraud, Philippe Bioux et Jean Covici. Oh purée. Tu as fait ça en très peu de jours. Super, hein, bravo. Franchement, c'est super. Je sais pas quoi te dire. Parce qu'on est obligé. Quand t'as bien vu qu'on est obligé de ne pas sortir indemne quand on les écoute. Un peu des deux. On ne peut pas sentir indemne. En fait, quand c'est juste des. Voilà. Des énonciations de faits scientifiques, les uns à la suite des autres. Très. Comment dire? Donc il n'y a rien de farfelu, hein. Exposé par des gens on ne peut plus lucides, calmes et portés au débat. Et donc, eux, ça choque. Et donc, en fait, bah, je suis content parce que... Je suis content, pas content, mais... Je suis content pour toi. Et en fait, je suis content pour tous ceux... Pour tous ceux que ça intéresse d'aller voir. En fait, on est... C'est bizarre, on ne peut pas... Comment dire? Moi, je trouve ça vraiment dommage que ce genre de discours, enfin ce genre d'exposé, pas de discours, parce qu'il n'y a rien de discours, c'est juste des exposés. Ce genre d'exposé n'est pas la part belle dans nos médias, dans nos grands médias. C'est-à-dire que ce genre de discours, au moins, non pas sur les, sur le, comment on appelle ça, ce qui serait vraiment très 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 très, le jour où ça arrivera, ça sera vraiment génial. Le jour où une grande chaîne de télévision, hors Arte, parce que Arte le fait déjà plus ou moins. Même si je ne le regarde pas trop, mais j'imagine qu'ils l'ont déjà plus ou moins fait, ou en tout cas j'ai vu des reportages ou des documentaires qui abordaient le sujet. Mais un grand journal, un grand JT, un grand plateau, d'un média populaire, d'une chaîne populaire, de quelque chose de, je sais pas, même BFM, mais n'importe qui, puisse donner la parole à une de ces conférences-là, et appuie sur le fait que ça soit à écouter. Mais genre un TF1 ou je sais pas, un truc où on expose enfin ce que veut dire le changement climatique, par exemple. Par exemple, parce qu'il y a, ou, il y a plein d'autres choses. Parce qu'à chaque fois on en parle, mais les gens ils sont, oh l'écologie, moi j'ai déjà entendu, hein, en me baladant, oh, l'écologie ça casse les couilles et tout, les arbres et tout, on s'en fout. Mais c'est pas ça l'écologie, l'écologie c'est un truc systémique, global, global. Et en fait ça nous concerne absolument tous, tout, tous et toutes. Et donc, tout, pour les personnes qui... C'est très difficile d'amener une personne à aller écouter ce genre de conférence, en fait, parce que c'est trop... C'est un peu chiant, etc., quoi. Mais après, quand on en sort, on dit, OK, le problème est... Mais OK, je comprends le problème. Je comprends le problème. Le plus flippant, je crois que c'était Giraud. Ouais, lui, il est ultra flippant. Giraud, avec son ton résolument calme, ouais, il est implacable. En fait, mais même, hein, ils sont tous implacables, en fait. C'est juste implacable. Y a pas d'argument. Y a pas d'argument contre, en fait. Après, c'est pour les solutions. Il peut y avoir voilà, des aménagements, etc. Mais sur le constat, en fait, juste sur l'analyse simple de là où on est et là où on va. Mais c'est implacable. On peut rien faire, en fait. C'est implacable. Quand tu dis ce sentiment d'impuissance, on se sent tellement impuissant, bah ouais. C'est vraiment. On est dans une époque étrange où, en fait, on pourrait faire quelque chose, mais en fait, on participe tous. Et on participe tous à une espèce d'énorme machinerie une espèce d'immense colosse au pied d'argile. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais colosse dans le sens. Dans cette société d'hyper-confort. Et pied d'argile, parce qu'on sent que s'il y a une des pièces du puzzle qui commence à vriller, ça peut tomber comme pas un château de cartes, mais ça peut avoir des grandes conséquences. En fait, tout est interdépendant. Bon, voilà, je pense, tu vois, je ne veux pas vous refaire le truc, mais ouais, c'est flippant.
tout cas, la sensation que ça fait, ouais, c'est flippant. Et plus tu creuses, hein, la Lounia, plus tu vas voir dans d'autres conférences, parce qu'il y a sur plein d'autres sujets. Et merci, alors merci Kamanga, mais je te conseille le groupe Transition 2030, il y a un gars du GIEC qui débunk pas mal d'idées reçues parce que certains extrapolent beaucoup trop. Ouais, clairement, moi premier. Dans l'extrapolation, c'est mon métier. C'est-à-dire. Mais oui, je vois ce que tu veux dire sur le fait de ne pas trop. Enfin, c'est pas de ne pas trop, mais j'irai voir, parce que je peux me faire une idée reçue aussi des idées reçues. Bon, je sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, j'irai voir ça. Les amis, voilà, c'est très chouette. Il faut que j'aille absolument continuer tous mes scans des autres planches et de gérer ça au mieux. Alors, hop, j'essaie de faire un petit aperçu de ce qu'on avait fait la dernière fois et de ce qu'on a fait ce matin. Donc bah voilà, c'était cool, c'était très simple, hein, efficace, mais ça présente bien en fait, ça dit exactement, c'est une espèce de calme, je sais pas, de moment calme dans la bande dessinée. Ça, c'est une petite transition calme pour ensuite partir dans la bataille que vous verrez certainement bientôt, bah, je sais pas, soit dans l'album quand il sortira, évidemment. Mais soit aussi, il y aura une toute petite part de bataille, ou en tout cas de naufrage, dans les prochaines vidéos. Je reviens sûrement cet après-midi. On va essayer de faire soit ces cases-là, soit je vais essayer de faire une autre planche. En tout cas, c'était cool d'avoir été avec vous pour ce petit. Oh, la Lounia, allez, si tu veux, on se fait un petit. La Lounia, tu m'écris un petit message avant. Les zones rurales de France commencent à manquer d'eau. Ton autre. Ah ouais, je fais quoi du coup? J'arrive à la bourre. Allez, on se fait une petite 10 minutes de discussion autour de ça. Salut David. Bah, j'allais finir. J'étais en train de faire un Dranok. J'étais en train de finir le live, là, j'étais en train de faire le message d'outro, quoi. Je sais pas comment dire ça. Je te conseille la permaculture, la lumière, il y a beaucoup de réponses à ces problèmes. Excellent conseil, c'est la meilleure chose à faire. Genre la permaculture, l'écoute, le conseil par d'autres personnes, penser, je sais pas, à réfléchir à un réseau, à des amis, à de nouvelles compétences et à des compétences, je sais pas, des compétences que je dirais nobles, tu vois, les compétences de la terre, les compétences de l'échange, les compétences de l'entraide, plein de, voilà, il y a plein de nouvelles choses, c'est-à-dire que forcément, il y a un sentiment d'impuissance, mais il y a aussi des actions, il y a plein de petites actions à faire pour soi-même, pour les autres, pour son entourage, même s'il y a une grosse puissance et part de déni de la part d'énormément de choses, parce que on a envie de communiquer ça forcément, ce genre d'analyse et ce genre de, voilà, par exemple, de conférence ou d'analyse auprès des autres. C'est très difficile de coordonner bien ses idées parce qu'il y a des informations qui viennent dans tous les sens. Moi, j'ai vraiment énormément du mal. C'est pour ça que je préfère orienter vers les conférences. Et donc, je suis très heureux, la Lumia, par exemple, que tu aies pu en voir. Parce que forcément, moi, ça m'arrive vraiment de façon permanente. À chaque fois que je commence à exposer ce genre d'idées, je m'échauffe, je me chauffe, je m'échauffe. Pour preuve, avec d'autres amis, vous avez pu le voir dans les autres lives, à chaque fois qu'il y a des plus ou moins des débats ou des polémiques. En fait, voilà, toutes ces réflexions-là amènent à d'autres réflexions de création et vraiment un regard critique sur ce que peut être tout ce qui nous entoure, en fait. Donc ça, en fait, c'est bien, ça permet une maturation, une réflexion, et en même temps, on peut être dans l'action. Mais bien réfléchir sur quel type d'action. Oh, j'irai voir ça, le Kamanga, merci. Et je sais que ça fait tâche, mais je crois que la loi du marché va aussi jouer un rôle important dans le bon sens. Ouais, voilà, ouais. Repenser ce qu'est le mot économie. Si tu veux, la Lounia, je te donne. Je sais pas. Qui je peux. En tout cas, en gros, la Lounia, si tu veux, il y a une chaîne que tu vas connaître qui s'appelle Thinkerview. Thinkerview. Allez, tu peux aller piocher n'importe quelle des vidéos.
celles qui sont bien notées, parce que en fait, quand tu regardes les commentaires, il y en a qui sont plus ou moins bien notés. Généralement, les commentaires sont assez justes, en fait. Les premiers commentaires qui arrivent sont assez justes sur, voilà, je sais pas, l'ambiance ou ce que la personne a à donner. Tout est intéressant. Il y en a vraiment qui sont très, 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 très impressionnantes. Et après, voilà, Gaël Giraud, Philippe Biwix, Jean Covici, il y en a d'autres, hein. Allez voir sur d'autres chaînes, sur d'autres choses. Il y a toujours des choses à découvrir, encore plus d'infos. Voilà, en tout cas, c'est propice à la création. Pour preuve, hein, ce que je suis en train de faire. Ouais, ben alors, je te conseille pour une interview de Giro, parce que c'est là que tu as vu une interview de Giro. Ouais, la dernière, elle est surpuissante. Hein. Ouais, je pense que tu as dû la voir la dernière. Elle est surpuissante. Je sais pas sur le fait que. Je sais pas. Je sais pas, un des messages qui était vraiment puissant, c'était qu'il n'y a pas de dette. Enfin, c'est pas le bon mot, tu vois, j'ai même pas la bonne expression, mais c'est que la dette n'existe pas. Ce sont des créations entre organismes interétatiques européens et Commission européenne et le FMI. Tout ça, voilà, tout ce genre de choses, même moi je suis vraiment pas, je suis pas expert là-dedans, mais déconstruire tous les faux messages qu'on nous dit, on va devoir rembourser la dette, etc. En fait, il y a des mécanismes qui fait que bah, peut-être qu'il serait possible que de ne pas la rembourser. En fait, il suffit juste que ça soit une volonté politique. Bon, voilà, plein de choses comme ça, plein de pistes de découverte, c'est hyper chouette. Donc, moi, je m'en cogne, mon frère a surveillé la liste. Il a déjà prévu la fin des temps dans la maison de mes vieux. J'ai hâte. Mais mec, franchement, c'est hyper intéressant, hein, David Drannoch. Franchement, c'est cool que ton frère il fasse ça parce qu'en fait, ouais, forcément, en fait, ça offre la porte ouverte à des pulsions survivalistes. Et en fait, bah, je sais pas, on a tous envie de le faire, un peu indirectement, même si. Il y a une philosophie de l'entraide qui commence à se mettre en place et de se dire, bah, en fait, c'est le mieux, c'est de s'entraider, mais il y a en même temps une espèce de force indirecte qui fait que la puissance de la vague, de je ne sais quelle vague, que ça vient de l'énergie, que ça vient de la migration, que ça vienne, va être tellement puissante que ça vienne, je sais pas, une vague politique, une vague économique. En fait, ça va tellement être puissant que forcément, on a des envies de rétractation. Ou pas forcément de rétractation, mais en tout cas de se dire j'ai envie de survivre, tu vois, j'ai pas envie de mourir salement, quoi. Mais bon, voilà, on sait pas comment ça se passera. En tout cas, il y a vraiment toute une chose à se penser autour de la mort, de la mort à l'avenir, je sais pas, de la façon de le concevoir, mais pas dans le sens morbide du terme, mais dans le sens, bah voilà, qu'est-ce qui nous arrivera, en fait. Je pourrais vous rejoindre quand le monde aura explosé d'un acte. Ouais, d'où l'entraide. Hein, l'Alumnia, tu peux aller rejoindre David. Et je suis allé chez lui. Hein, David, j'ai que des bons souvenirs. Hein, j'ai que des bons souvenirs. Mec, je m'en souviens vraiment. Je pense à toi, hein, parfois. Je pense au moment qu'on a pu avoir là-bas, parce que c'était vraiment super cool. Et il y a moyen de faire un truc survivaliste, mais genre, vraiment classe, quoi. Chez tes parents. C'est vraiment trop cool. Faut voir, il nous manque un médecin. Tu sais faire un bandage. Ça va être un live survivaliste, de dessin survivaliste, mais vous pouvez vous faire des petites combines entre vous. Et David, ouais, on peut se faire aussi, je sais pas, des ateliers survivalistes. Ah, vous me faites bien marrer, c'est cool. Bon, on en rediscute. Allez, je crois qu'on a. Je crois assez peu au grand effondrement. Oui, bon, moi aussi. Mais j'élimine quand même pas la possibilité. Ma mère t'appelle encore mobylette. Très bonne idée. Mais je m'en souviens. Franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je me souviens de toutes les activités qu'on a pu faire. Enfin, c'était trop cool, quoi. Et c'est pas impossible que dans un avenir proche ou lointain, on aurait, je sais pas, à ressouder des choses, à, je sais pas, à repenser cabane ou à repenser ce que tu veux, quoi. Idem, ça tient plus du fantasme, mais c'est le, mais ça,
Mais avoir une poule et savoir cultiver, ça ne coûte rien, absolument. Les amis, enfin c'est hyper intéressant. Les amis, c'est hyper intéressant. Si vous voulez, on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas, j'essaierai tout à l'heure vers 14h de faire une petite session d'une heure comme on a fait. Et une petite case aussi, on peut continuer la discussion autour de ça. Il y a plein de choses. Donc bah, à tout à l'heure si vous êtes là ou pas, comme voilà. De toute façon, il y aura d'autres sessions pour pouvoir discuter de tout ça. N'hésitez pas à passer. Les amis, ciao. Survivez bien dans vos dessins pour l'heure. On a tout le confort qu'il faut pour l'instant. Entre guillemets, profitons-en, même si c'est vraiment le mauvais mot à faire. Parce qu'il faut se responsabiliser. Mais je sais pas, profitons de tout ce qu'on peut avoir et cultivons. Franchement, le Kamanga, c'est super chouette. Merci à tous. Allez, des bises, à bientôt, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Je retourne dans mon bunker. Ciao.